assalamualaikum mbokk internet yi assalamualaikum suñu mbokk téléspectateurs yi di am mbékté rek ak contenté dafa leen seen émission ak tiak tiak nak dafa di émission fait d'hiver nak moko boko déggé moy lepp li nga xamanté askan bi dakoy dundu tay nak ñu ñëw ba Velengara dal di fi fasiyéné def suñu tiak tiak bi nak tay day wax ci mbënn bi ndaxte fi Velengara amna ñi nga xamanteni seen kër yi dañoo daanu seen kër yi inondé dañuy ñëw nak ba fi ni ci préfecture bi ñoo wax ak préfet bi mu wax ñu lan la gisé mbënn bi ak lan la askan bi duko dundé mu wax ñu lan la gisé mbënn bi han dañoo am tay réunion d'urgence han ñu fasiyéné wax ak mom ha dem tamit ci askan wi talal leen suñu micro mu daal dañuy wax ñom lan lañu dundé mbënd mi ala gido yirake sikache kebaki fere hochurako awa ya la dando e jamfa gido ganyo jengio mimi jengi nani jengio mimi jengi nani chema po jengio gido fayerake chema po jengio gido fayerake barki dengu la ker bi daanu parce que bo taw bu dede taw bobu non parce que bu taw bu commencer de taw rek man duma de ñamete de damay tok rek may setan non la toge be er bi taw bi arrêté rek bobu lay dem man harama tedi li may nopalu tedi bu may tedi rek ma commencer dege bourbe ma gene ma jog fofu non ma ubi bunt bi ma gene may tourner rek fi lay taw fo ma taw ni après neeg bi daanu mais bamuy daanu ma xalé neew fo won wala kenn ndax gañu fa kenn dedet gañu kenn parce que buma jog rek ma hé xalé ñun yépp a jog fofu neeg bi mu daanu fekk bagage tam ci biir la nekk tam kon mën na né yakal na len lu bari kon tay ji mën bi yakal na len lu bari ci kër gi yakal na ma lolu mën ma konté parce que air bobu noni damay tit mën ma yoré dara ci loxo après bobu lay jog xalé yi rek lay fexé parce que doomu adama koko warul ko bay ci biir yéré yoyu nit moko dé out lolou tam ma bay yéré yoyu bagage yi le fofu nonu ma fexé ma génné xalé yi ci biir neeg ba ko may dimbalé té man la kessé ak suma bop ak xalé yi awma ko may dimbalé suma jëkër gañu na man may fexé ma def terrain bi ni ma def ci neeg bi ni mo ngi ni daanu na awma luma liggéey léegi pour ma mëna jot bene waaw sëñ bi ginnaw buñ la nuyo ñu ngi lay laacc nan la la mënd bi def demb bi def fi mom ñun amna sans yu bari ak yu reuy bari mom mo daanu suñu kaw ko ma rek sama jabar bi ak sama doom bi ko doom yi nak ak jabar bi dara dalu ko waye man sama yaram bi instant bi yeb mu ngi metti ko kon mën na ne yef yi da daanu sa kaw gañ la waaw da daan sama kaw gañ ma ko man ak sama jabar bi ak sama doom bi ko dara mu sa fa dem nek lu metti li nga xamanteni han ndogal suñu borom la ñu lay massaw bu baakha baakha baax waaw yoon dina leen jappalé dina leen tek loxom ma sha Allah waaw ñu leen di massaw bu baakha 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 baax man kay sant na yalla ken gañu fo ken ki wul man kessa ma fi gañ man kay sant na yalla ci lolu lu bari bari asdan bari ko anti hanki bimbi sago sago simo hanki bimbi yari ari ka galle o wi la sukare be ko hanki hanki on le 3 heures du matin e wadi asdan mo ndoni miro yani e doma kambe ko tato e sukabe ji do wonno to e mero be odo e mero wanno ko do mballi mun doni miro yani e doma be odo ko leydi wali no de horayi e de kambe ko tabe muri e hori be yide amine fo mine wulla bibbe mabbe be ari ndari e tay suka be no wali itti le be itti kaaje de do mabbe me haali han waaw mu nek lu daw yaram ha mu nek lu daw yaram neena xala yi mi mo daanu sen ko waaw mu len di massaw rek bu baakha baax mu daw yaram lol lol waaw sonna sen lay massaw ñom ñep yob nañ len hopital hol nañ len sen yaram bi ñu ne dara déranger wu fo après ñep len tamit ci bima tamit mu hol yaram bi mu boss len ñom yep ñoo fi ñun tamit ñu tangal ndox bu tang bu boss sen yaram waaw ñom yep
mer bi nang lo gëna sonu nak ak ki wa mom sa mënul dox sa mënul tiddi ko tedd mer bi sonu nak gis ñu len sax ki kaw wa mu nekk lu doy yaram da fa am mu nekk lu wax ndax te xolam dafa fess hein xolam dafa fess mais mer bi le ménage de son sinistre dû au dernier coup à partir du vendredi 4 jusqu'au samedi 5. Avant Velingara, nous avons été dans l'arrondissement de Sarré-Koulissaré, précisément dans le village de Sarré-Yorébeta. C'est un village qui est très proche de Velingara. Là-bas, on a trouvé qu'il y a trois ménages qui sont sinistrés et qui ont besoin véritablement d'être logés parce que leurs cases sont totalement effondrées. Et après Sarré-Yorébeta, nous avons fait cap sur Tchankang où nous avons fait le même constat. Il y a des ménages qui sont véritablement dans le besoin d'être assistés. Et nous avons donné dans ce sens instruction au service d'hygiène et à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de prendre les services des chefs d'établissement afin d'aménager quelques salles de classe, n'est-ce pas, qui pourront accueillir les sinistrés. Nous avons sollicité aussi l'appui des collectivités territoriales pour mettre à la disposition du service d'hygiène les besoins élémentaires en matière de désinfection des lieux. Parce que si les écoles, depuis quelque temps, elles sont fermées, donc il va falloir désinfecter avant de reloger. Nous avons aussi trouvé ailleurs des cases qui ne sont pas effondrées, mais quand même qui sont très, très, très précaires. Et on a donné instruction aux occupants de sortir afin qu'ils soient relogés dans les écoles. C'est le cas où nous sommes actuellement, chez les Banora. Malheureusement, nous avons trouvé qu'il y a une case qui s'est effondrée et une maman s'en est sortie indemne, certes, mais avec des douleurs au corps. Et deux jeunes filles, n'est-ce pas, qui sont blessées. C'est l'occasion de leur apporter réconfort. Alors, de leur dire que, en tout cas, elles ne sont pas seules dans le sinistre qui vient de les frapper. L'État est à leur côté et nous allons apporter, en tout cas, le nécessaire, n'est-ce pas, pour leur apporter réconfort. Donc, ce n'est pas fini. Parce qu'on m'a signalé qu'à Marimé, à Nassourlaï, c'est le même cas là-bas. Donc avant 15h, il faudra aller, n'est-ce pas, se rapprocher de ces familles sinistrées-là pour ensuite retourner au bureau, faire la synthèse et envoyer au gouverneur qui attend depuis ce matin. Parce que j'ai pris langue avec lui ce matin pour lui dire qu'à Velingara, il y a pas mal de maisons en tout cas qui ont été frappées, qui ont été affectées, impactées j'allais dire même, par les dernières pluies. Donc il va falloir faire le tour, observer de visu, n'est-ce pas, constater, pour ensuite faire le rapport, le compte-rendu, n'est-ce pas, aux autorités supérieures. Donc à ces gens-là qui sont sinistrés, comme j'ai dit tantôt, qu'ils se disent que dès aujourd'hui ou demain ou plus tard, même le chef de l'État sera mis au courant de la situation au niveau du département de Velingara. Voilà, c'est ça.